Qu'en est-il de la présence militaire française au Gabon? La question se pose ce soir avec acuité au lendemain de l'audience accordée à l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition gabonaise. Une rencontre cruciale qui, selon Libreville, marque un nouveau chapitre dans les relations entre le Gabon et la France, avec un accent particulier sur le renforcement de la coopération militaire. De nouvelles perspectives de coopération militaire bénéfiques pour qui? Libreville ou Paris? Le Gabon est-il devenu une véritable base arrière de la présence militaire française en Afrique? Autant de questions qui trouveront des éléments de réponse ce soir. En deuxième partie de cette émission, nous allons à nouveau nous interroger. Le président français Emmanuel Macron peut-il réellement envoyer du personnel militaire à l'Ukraine sans passer formellement par l'approbation de l'Union européenne ou encore des États-Unis? Si oui, quel est l'objectif recherché? Cherche-t-il à se positionner comme le nouveau leader de l'Union européenne? Autant de questions qui reviennent sur la table des discussions au lendemain, bien sûr, des révélations du service des renseignements extérieurs russe pour qui Moscou dispose des formations selon lesquelles la France prépare l'envoi d'un contingent de militaires. Ils sont au total 2000 hommes que prévoit donc d'envoyer Emmanuel Macron du côté de l'Ukraine. Mais pour quelles réelles implications? Sous quel angle, ou du moins sous quelle prise, faudrait-il interpréter l'acte que ça prêterait donc à poser, selon bien sûr les informations du service de renseignement extérieur russe? Nous revenons bien sûr sur ces interrogations dans le cadre de cette émission de Point sur l'actualité. Bonsoir et bienvenue à tous. Quitte de la présence militaire française au Gabon. Eh bien, on se pose la question ce soir, au regard bien sûr de cette audience accordée par le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, à l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron, Jean-Marie Bockel, de passage bien sûr du côté de Libreville. La rencontre entre les deux hommes a porté sur la coopération militaire entre Libreville et Paris, une coopération qui se veut mutuellement bénéfique, à en croire bien sûr Libreville. Le Gabon est-il devenu une véritable base arrière de la présence militaire française en Afrique? On se pose clairement cette interrogation ce soir. Et puis en deuxième partie, nous reviendrons sur une autre interrogation aussi cruciale que la première. Le président français Emmanuel Macron peut-il réellement envoyer des troupes militaires du côté de l'Ukraine sans formellement passer par l'autorisation de l'Union européenne ou encore des États-Unis? Tout ceci aux côtés de nos principaux invités. Les consultants permanents tout d'abord de cette émission de Point sur l'actualité, André Christel Fanga est avec nous, journaliste, directeur de publication de la Dépêche du Midi. Bonsoir à vous, DP, et bienvenue. Bonsoir, monsieur Nguené. Merci pour l'invitation. Bonsoir, aux copanélistes que vous allez présenter. Bonsoir aux techniciens. Bonsoir à toute la galaxie panafricaine. Ravi d'être sur votre plateau, justement, encore ce soir, pour discuter des questions extrêmement importantes pour notre continent et pour le reste du monde, surtout pour les peuples opprimés de la Terre. Parce que nous, la cause du panafricanisme, c'est aussi pour la cause des peuples opprimés de la Terre, que ce soit les peuples français, les peuples américains, les peuples allemands, les peuples asiatiques et un peu de partout dans le monde. C'est pour eux que nous sommes là, pour dire que oui, nous pouvons nous mettre ensemble pour créer un nouveau monde, ce monde multipolaire, ce monde où nous pouvons échanger, ce monde où nous pouvons circuler, ce monde où nous pouvons commercer avec d'autres termes de référence, d'autres termes économiques, sans avoir obligation de passer par le roi dollar. Merci pour l'invitation. Ah, c'est nous qui vous disons merci. DP, à vos côtés, patient parfum d'homme est également présent ce soir une fois de plus. C'est un plaisir de vous avoir ce soir sur ce plateau une fois de plus, docteur patient parfum d'homme. Bonsoir à vous et bienvenue. Bonsoir, Boutlengene, le prince de Matombe. Bonsoir, pasteur Christel Fanga, toujours là quand il faut être là pour continuer son œuvre, n'est-ce pas, d'éducation, mais aussi apporter sa petite pierre à l'édifice dans ce combat panafricain que nous menons depuis plus d'une décennie. Bonsoir à nos nombreux téléspectateurs, à nos nombreux téléauditeurs, à nos techniciens, à toute l'Afrique aujourd'hui qui a les regards, n'est-ce pas, tournés vers ceux qui luttent. Comme disait le penseur,
Ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Et merci une fois de plus pour cette invitation. Voilà. Le troisième invité de ce soir n'est autre que Ibrahim Yves Bouka. Un plaisir également de vous avoir dans le cadre de cette émission du Point sur l'actualité. Est-ce que de son côté, on pourrait améliorer un tout petit peu la qualité de son retour, la qualité son d'Ibrahim Yves Bouka qui est avec nous. Alors Ibrahim, bonsoir à vous et bienvenue. Votre micro me semble désactivé, Ibrahim. Est-ce que vous pouvez activer le micro? Oui. Oui, désolé, effectivement, il était désactivé. Donc, voilà. Je reprends mon propos. Je suis vraiment content, une nouvelle fois, de vous retrouver sur les antennes de For You Media Africa. Et c'est également un honneur d'être sur le plateau avec vos consultants habituels, notamment Patient Parfendom et Et André Kessel Panga. Voilà. Voilà. Merci à vous, Yves Ibrahim Bouka. Mais messieurs, parlons justement de l'audience entre le général Brice Kotero Lingengema et l'envoyé personnel du président français Emmanuel Macron. Les deux se sont rencontrés il y a quelques heures seulement. Au menu des échanges, on parle bien sûr du renforcement de la coopération militaire entre Libreville et Paris. Avant, messieurs, que vous ne puissiez réagir sur la thématique en question, je voudrais tout d'abord que nous prenions cet extrait de Jean-Marie Bockel, visiblement satisfait de sa rencontre avec le président de la transition gabonaise, le général Brice Clotaire Olingingema. Je suis aujourd'hui à Libreville à la demande du président de la République française Emmanuel Macron, dont je suis l'envoyé personnel, pour étudier en étroite concertation avec les autorités gabonaises l'avenir de notre partenariat militaire. Cette démarche, bien sûr, s'inscrit dans le cadre global du renouveau du partenariat de la France avec les pays africains. Je sors d'un entretien de très grand intérêt avec le président de la transition. Je me réjouis de la qualité de nos échanges. Je le tiens également à le remercier pour son accueil. Et nous avons eu le temps vraiment d'approfondir toutes les questions entre nous, entre nos deux pays. Alors Yves, Ibrahim Bouka, à l'écouter, il revient sur pas mal de choses. Étudier en étroite concertation avec les autorités gabonaises l'avenir du partenariat entre les deux pays. Une démarche selon Jean-Marie Bockel qui s'inscrit dans le renouveau du partenariat de la France avec les pays africains. Alors, pour vous, que vaut ce renouveau dont parle l'envoyé personnel du président français qui vient tout juste de rencontrer le président de la transition gabonaise, le général Brice Kotero Lingengema? Oui, mon frère Nguéné, effectivement, c'est une question très, très pertinente au regard du contexte international où on voit très bien la France dans d'énormes difficultés sur le plan diplomatique et sur le plan géopolitique et géostratégique. Donc, effectivement, la question de la présence militaire française au Gabon, au moment où les Africains rejettent de plus en plus effectivement cette présence militaire qui, en réalité, ne s'explique pas, une présence militaire dans des pays dits indépendants, alors que la France, en retour, n'acceptera en retour d'avoir sur son territoire des armées donc, africaines. Je veux dire, si on met effectivement ces questions, si on essaie de l'analyser ou de la prendre par rapport à la réciprocité. Donc, il est donc clair que la présence de l'armée française au Gabon pose problème, comme elle pose problème dans tous les pays africains aujourd'hui, où la jeunesse africaine est de plus en plus hostile à cette présence militaire qui ressemble ni plus ni moins qu'à une présence militaire d'occupation. Donc voilà déjà ma première réaction à chaud comme ça par rapport à cette problématique. Mais connaissant la duplicité qui caractérise la diplomatie des pays occidentaux, notamment de la France,
la visite de Jean-Marie Bockel au Gabon, la rencontre avec donc, le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui Nguema, c'est vrai, on présente de prime abord la question donc, de la présence militaire en France, de la coopération militaire, mais je suis convaincu que en marge de cela, ou derrière cela, il y a eu d'autres questions qui ont été évoquées, notamment la question du dialogue national qui va être organisé au Gabon du 2 au 30 avril prochain. Un dialogue qui se veut inclusif et qui va permettre en fait de mettre à plat toutes les institutions pour les réformer et de pouvoir en fait rédiger une nouvelle constitution de la République. Donc je pense que ce sujet intéresse au plus haut point la France parce que les Gabonais, dans leur immense majorité, aspirent à plus de liberté, à voir leur pays véritablement s'inscrire dans la même dynamique que les autres pays africains en voie de libération par rapport à cette présence encombrante et néocoloniale de la France, aussi bien sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan militaire et sur le plan politique même. Donc, voilà moi ce que je peux dire pour ajouter, sachant très bien que la France ne dit jamais, quand elle dit A, il y a toujours un B à côté. Voilà. Vous, Ibrahim Yves Bouka, si on se réfère clairement à cette audience, l'aspect sécuritaire ne serait qu'un prétexte pour évoquer d'autres sujets, un autre agenda caché pour vous, Ibrahim Yves Bouka. Tout à fait, tout à fait. Et je crois que c'est de tradition par rapport à la diplomatie occidentale. Ils annoncent quelque chose et derrière, il y a d'autres sujets qu'on va traiter. Là, comme je disais tantôt, le dialogue qui se veut, dialogue national qui se veut inclusif, qui va être organisé du 2 avril au 30 avril prochain, la population gabonaise, comme je disais, aspire à plus de liberté. Elle veut véritablement avoir le contrôle de leur pays, le contrôle de l'économie, le contrôle donc de tous les aspects qui font du pays du Gabon un pays indépendant. Donc la France qui, dans le contexte que nous connaissons actuellement, a visiblement, et comme on le voit, la crainte effectivement de voir son influence reculer au Gabon. Donc la visite de Jean-Marie Bockel vient aussi pour se rassurer de l'agenda certainement qu'ils ont imposé à Brice Clotaire-Oligui Nguema par rapport à cette transition, pour faire en sorte que plutôt par rapport à ce dialogue national, pour faire en sorte que ce dialogue ne soit pas véritablement souverain. C'est-à-dire que les décisions qui vont sortir de là ne soient pas des décisions souveraines. Comme on l'a vu pardon, en 1990, lors de la conférence nationale, qui s'était dit souveraine, mais finalement, la grande gagnante de cette conférence nationale en 1990 a été la France et la famille Bongo et le système Bongo-PDG. Mais la population gabonaise n'a absolument rien eu. Elle est sortie de là perdante. D'accord? Donc la France vient simplement pour répéter ça, parce qu'elle veut s'assurer de garantir ses intérêts au Gabon. Donc la question militaire, moi je pense que c'est une question qui est secondaire, parce que là, on a un événement important qui va redéfinir, on va dire, le positionnement du Gabon par rapport à ses partenaires sur le plan international. Voilà. Et puis pour terminer, il y a aussi la visite de vice-président Oligui Nguema qui est prévu en France en juin prochain. Donc, il y a tous ces paramètres-là qu'ils ont, je vais dire, vraisemblablement traités. Ils ont parlé de ça pour définir tout ça afin que les choses soient claires entre le Gabon et la France, du moins entre Brice Clotaire-Oligui Nguema et les autorités françaises. Yves Bocca pour ce premier jet sur le sujet. Alors, avez-vous l'impression qu'il y aurait également un agenda caché derrière la présence de Jean-Marie Bockel du côté du Gabon, officiellement, selon ce que nous avons comme information? Les questions militaires ont été évoquées. Vous l'avez également suivi dans cet extrait. On se posait la question de savoir, mais que devient finalement le Gabon, parlant justement de cette présence militaire française de ce côté? Jean-Marie Bockel nous dit que sa visite s'inscrit dans le cadre du renouveau que Paris voudrait donner à sa présence militaire, ou du moins dans ses relations de coopération entre lui, entre autres, et les pays africains. Est-ce que vous croyez justement à ce renouveau dont parle Jean-Marie Bockel? Deuxième volet de la question, est-ce qu'on pourrait évoquer éventuellement un agenda caché derrière la présence de l'envoyé personnel d'Emmanuel Macron au Gabon? Vous avez bien dit envoyé personnel. Oui, envoyé personnel, c'est bien le titre de Jean-Marie Bockel.
envoyé personnel du président français Emmanuel Macron en Afrique. Je vous vois ça veut sourire. Dire que, ça veut dire que, premièrement, il n'y a pas de problème de coopération militaire entre le Gabon et la France. Je ne sais pas si une ligne a sauté depuis là, depuis l'arrivée de Oligui Nguema au pouvoir. Est-ce qu'il y a une ligne qui a sauté entre la coopération militaire française et l'État gabonais? Il n'y a pas de ligne, aucune ligne n'a sauté, mais le contexte général oblige la France aujourd'hui à revoir forcément sa stratégie militaire sur le continent africain. C'est pour ça que je préfère répondre à la deuxième question plus rapidement par rapport à l'agenda caché. En fait, le Gabon va être la base arrière pour tout le reste des armées qui sont en train d'être chassées partout. Aussi simplement que ça. Il faut trouver un espace dans l'espace francophone qui est resté fidèle, n'est-ce pas, à la France pour justement reverser, n'est-ce pas, tous ces militaires mercenaires chassés un peu de partout. Parce qu'aujourd'hui, il faut véritablement trouver un espace plus sûr qui peut contrôler, et un espace qui peut contrôler ou bien qui peut être un point de central qui peut avoir des répercussions sur les États rebelles. Vous comprenez que quand je parle des États rebelles, c'est-à-dire des États qui sont en train de vouloir sortir du giron français. Donc, vous comprenez que la France, Macron, est déjà en train de penser à un autre plan. Parce que si le plan principal est en train d'échouer, c'est-à-dire les révolutions sont, n'est-ce pas, africaines sont en train de mettre en mal la France un peu de partout, sachant que le Tchad bientôt va entrer aussi dans sa révolution, parce que je suis convaincu de ça, qu'après l'élection de Mahamad Idriss, n'est-ce pas, on va demander à la France de partir du Tchad. Vous savez que le maréchal Idriss Déby avait déjà commencé, déjà les velléités de, n'est-ce pas, de se séparer de cette base française avait déjà. Donc il faut déjà trouver un nouveau territoire, n'est-ce pas, où ils peuvent s'installer. Et ce territoire, c'est le Gabon. Il faut consolider la présence militaire française au Gabon. Exactement, il faut consolider la présence française militaire française au Gabon. Et au-delà de ça, parce que vous savez que le Gabon a toujours été pour la France une chasse gardée, n'est-ce pas, comme le Centrafrique, mais il ne savait pas qu'il pouvait avoir des événements qui pourraient se produire. Mais le dernier coup de force qui s'est produit a laissé plutôt le statu quo, donc rien n'a bougé exactement. Il n'y a pas eu de grande aventure ou de révolution, non. C'est juste ami-ami, c'est une affaire d'habitude. Est-ce que c'est une façon pour vous de regretter le fait que les autorités gabonaises, depuis le 30 août 2023, n'aient clairement pas clarifié leur position vis-à-vis du partenariat avec la France? Est-ce que c'est une façon pour vous de regretter un tout petit peu la direction que le général Brice Cotter Oligui Nguema donne à cette transition? Mais écoutez, nous on sait qu'aujourd'hui la France a pensé à des révolutions de palais, c'est-à-dire déshabiller Saint-Pierre et habiller Saint-Paul. N'est-ce pas? Donc c'est un peu ça que, bon, vous avez dit, ok, vous les Africains, vous aimez les coups les coups de force, les transitions, vous aimez les, bon, on va vous en donner. Donc eux-mêmes, ils ont commencé à fabriquer leur transition. C'est ce qui se fait actuellement au Gabon. Donc, c'est-à-dire, c'est une transition française qui est installée au Gabon. Ça n'a rien à voir avec une révolution. Ça n'a rien à voir avec une quelconque rupture. Parce que s'il fallait avoir rupture, c'est que beaucoup de décisions seront déjà prises jusqu'à date. Donc, vous comprenez que c'est quand même, c'est juste la France est venue se rassurer, n'est-ce pas, que leur coopération, n'est-ce pas, la base française qui est installée là-bas peut avoir la capacité de recevoir les autres soldats, n'est-ce pas, qui sont un peu dispersés un peu de partout, et que le Gabon peut être cette maison-là, n'est-ce pas, qui va accueillir le plus grand nombre de soldats français sur le territoire africain. Merci à vous. André-Christel Fanga, patient parfait d'homme, quelle est la lecture que vous avez justement de cette visite de l'envoyé personnel? Moi j'insiste sur un poste inédit tout de même, envoyé personnel du président français Emmanuel Macron. On rappelle que bien avant l'étape gabonaise, il s'était déjà rendu en Côte d'Ivoire et tout récemment encore il était du côté du Tchad. Cette fois c'est le Gabon. Trois destinations, pour quel objectif? À chaque fois, il nous parle du renouveau du partenariat militaire que la France entretient avec certains pays africains. Mais est-ce qu'il faudrait nécessairement y croire aujourd'hui?
Écoutez, nous sommes en politique. Il n'est pas question de croire ou ne pas croire. Nous avons un envoyé personnel de M. Macron, comme il l'a désigné, à la personne de M. Bockel. M. Bockel, comme vous le savez très bien, qui avait été l'un des rares ministres à avoir dénoncé la Françafrique. D'ailleurs, cela lui a coûté son poste sur un coup de tête parce que le président Bongo, à l'époque, était très courroucé d'entendre un ministre français aborder cette question sensible qu'il a indexée au premier lieu. Donc, il retourne dans ce Dans pays ce pays. qui lui a coûté son poste ministériel. Mais on voit aussi que dans la nouvelle doctrine apparemment française, il est question aussi de réduction des effectifs de ces troupes, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit bon, pour le Tchad, j'en sais pas beaucoup, mais sur le Gabon aussi. Alors, c'est normal, nous sommes dans un cadre diplomatique. Le président Oligui Nguema a bien fait de recevoir son homologue, de l'écouter, d'écouter Vous l'avez bien fait de recevoir l'envoyé personnel du président français. Mais bien sûr, quand vous êtes à ce niveau-là, comme le président Nguema, il faut être ouvert, il faut écouter tout le monde. Surtout, je ne sais pas si on a bien écouté la brillante intervention d'Ibrahim et Yves Bouka. Il y a dans quelques mois, je crois le mois prochain, si je me trompe, il y aura des assises nationales, n'est-ce pas, au niveau du Gabon. Ce sont des assises nationales qui vont définir le Gabon nouveau que nous aurons bientôt. Et certainement, ces assises nationales risquent de déboucher sur une constituante. Donc, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, le président Oligui Nguema est arrivé au pouvoir. Moi, je ne pense pas que c'était un coup d'État français. C'est une. C'est une position que vous avez Je, depuis le je, 30 août oui, je 2023 la défends et vous la fermement. défendez jusqu'au bout, passé Oui, en je la parfum défends fermement. Je ne pense pas que c'est un coup d'État français. d'homme. Vous ne pensez pas qu'il s'agisse clairement d'une révolution de palais? Ah non, pas du tout. Il y a. Le régime des Bongo est arrivé dans ses limites les plus extrêmes. Elle n'avait pour seul avenir que de se détruire. Et heureusement pour le Gabon, ils ont eu la chance d'avoir un militaire courageux qui a dû mettre fin à toute cette mascarade-là qui n'avait que trop duré. Donc maintenant, avec ce dialogue national, il revient aux Gabonais, n'est-ce pas, de définir, n'est-ce pas, le cadre qui va enfin régir l'ensemble de leurs institutions. Et moi, je pense que c'est trop osé de la part des Africains que nous sommes de traiter l'ensemble des Gabonais et ceux qui ont combattu le régime Bongo et ceux qui sont les escrocs ou bien les héritiers de ce régime-là et surtout autour de la société civile qui se sont battus pendant des années. Parce qu'il faut voir, n'ayez pas l'impression qu'au Gabon, c'était un long fleuve tranquille, que c'était un endroit où il n'y avait aucune dynamique, aucun mouvement. Les Bongo, pour se maintenir au pouvoir, ont dû affronter beaucoup de crises, beaucoup de leaders, même à l'intérieur du système, qui n'acceptaient pas justement cette mainmise outrancière de ce clan familial au niveau de ce pays. Donc, les gens qui vont arriver, surtout que les exilés qui sont rentrés au pays, d'autres occupent même des postes au sein de ce gouvernement actuellement. Je pense à Mme Laurence Ndong, par exemple, et je sais ceux qui sont assez nombreux. Ils ne viendront pas en victime expiatoire de la volonté française de continuer à dominer, n'est-ce pas, cet espace-là comme ça. Ils viendront, eux aussi, avec ce que vous avez décrit comme l'ambiance nouvelle, l'atmosphère nouveau au niveau de l'Afrique, qui tend plutôt à tout faire pour mettre fin à cette domination française, à sortir nos pays de la dépendance outrancière de Paris. Et je suis convaincu que lors de. D'ailleurs, il y a déjà des structures qui sont ouvertes et qui recueillent déjà, n'est-ce pas, des avis des Gabonais sur comment doit être organisé ce dialogue national et les thématiques qui doivent être abordées de manière prioritaire. Donc, si nous pensons que nous luttons pour l'Afrique et que nous nous battons pour qu'un Cameroun nouveau émerge, une Afrique nouvelle émerge. Mais qui sommes-nous pour continuer à penser qu'au Gabon, il n'y a que des niais, il n'y a que des idiots, il n'y a que des gens qui ne réfléchissent pas, ou bien il n'y a que des gens qui pensent qu'être soumis à la France, c'est la meilleure des choses qui puissent leur Mais arriver. que répondez-vous, patient parfum d'homme, à ceux qui avancent déjà la thèse d'une ingérence éventuellement française dans ce dialogue national à venir du côté du Gabon? Mais c'est de leur droit. Je ne peux qui suis-je pour leur empêcher de réfléchir Et comme le ils timing de la réfléchissent? visite de Jean-Marie Bockel n'arrange pas les choses. Mais écoutez, une chose, c'est ce que pensent
celui qui vient vers vous, il vient avec des propositions, il vient avec comment on dit ça, ses solutions, ou bien, mais l'autre chose, c'est vous. Jean-Marie Bockel n'est pas Gabonais. Le Gabon appartient d'abord aux Gabonais. Il reviendra aux Gabonais de dessiner, n'est-ce pas, l'espace, le tableau dans lequel ils aimeraient vivre pour demain. Et quelles seront leurs attitudes, quels seront leurs comportements vis-à-vis des mutations profondes qui sont en train de se produire dans le continent africain aujourd'hui. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent qu'à chaque moment, il faut être là en donnant des leçons, en disant aux Gabonais ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, comme si au niveau du Gabon, il n'y avait que des gens qui n'ont aucune expérience, qui n'ont aucune intelligence pour pouvoir, eux aussi, en fonction de leurs propres intérêts, définir le cadre de vie future qui sera bien et pour eux et qui doit déclencher, n'est-ce pas, ce développement tant entendu pour la majorité des Gabonais. Parce que, comme l'a vu, les différents régimes Bongo, presque soixantenaires, étaient des régimes qui, en réalité, n'avaient fait la part belle qu'à ces happy few qui étaient autour de ce pouvoir, au détriment de la franche majorité des Gabonais. Et Dieu seul sait que quand on voit ce grand Gabon, qui est plus grand que la Grande-Bretagne, excusez-moi quand je le dis, mais avec une population qui avoisine difficilement le 3 millions d'habitants, et avec des richesses énormes dont regorge le Gabon, voir jusqu'à quel niveau la pauvreté avait atteint ce pays, on espère que ceux qui vont prendre le pouvoir au Gabon, ceux qui seront là après cette transition, mettront un point d'honneur à tout faire pour sortir le Gabon, la majorité des Gabonais, de cette pauvreté-là et tracer la voie vers une nouvelle coopération gabonaise au sein d'une Afrique, n'est-ce pas, nouvelle, qui est en train de tout faire pour émerger. Et cette émergence passe fatalement par la fin de la France-Afrique, passe fatalement par la fin d'une tutelle précise des États africains dans le Gabon vis-à-vis des intérêts français, parce que cette fois-ci, il faudrait évidemment que les Gabonais protègent d'abord leurs propres intérêts pour leur propre bien. Et pour cela, je continue de faire confiance à ce peuple. J'estime que il y a eu, les gens ne connaissent même pas très bien l'histoire du Gabon, mais beaucoup de luttes de résistance au Gabon, et ces luttes de résistance ont continué pendant la période coloniale et pendant la période post-coloniale, et même pour combattre le régime des Bongo, je ne vois pas comment ce peuple qui a tant souffert, qui s'est tant battu, et va aujourd'hui accepter comme une victime expiatoire de continuer d'être le contremaître ou bien le gardien des intérêts français au détriment, n'est-ce pas, des Gabonais eux-mêmes. Je crois que ce n'est pas comprendre les dynamiques dans lesquelles l'Afrique s'inscrit, et dans le Gabon en particulier. Il faut faire confiance aux Gabonais, leur demander tout simplement de continuer cette marche en avant qu'ils ont décidé de poser, mais surtout se battre pour que vraiment le Gabon soit de nouveau un pôle de référence et de lutte, de combat, mais surtout d'affirmation d'une souveraineté entière et complète, n'est-ce pas, de ce peuple-là sur son espace. Merci à vous, patients. Parfum d'homme. Ibrahim Yves Bouka, est-ce que vous êtes également animé par cet enthousiasme, ou du moins cet optimisme autour, bien sûr, de cette transition que dirige le général Brice Kotera Olingui Nguema depuis le 30 août dernier? Est-ce que vous également, en tant que Gabonais aujourd'hui, vous plongez forcément dans un avenir beaucoup plus reluisant quand vous regardez la direction que les autorités actuelles sont clairement en train de donner à cette transition? Bon, pour être franc, la transition qui est en train effectivement de se dérouler au Gabon. C'est vrai qu'au départ, avec le coup d'État qui a permis donc la chute des Bongo, naturellement pour une population qui a été, on va dire, dirigée par cette famille, donc la famille des Bongo, pendant plus de 50 ans, il est clair qu'il y a un soulagement, il y a une euphorie, les gens se sentent vraiment soulagés, les gens se sentent libérés. Et en même temps, il y a beaucoup d'espoir, effectivement, qui légitimement va être suscité donc, auprès de la population. Et moi, je n'ai pas dérogé à cette règle. Seulement, bon, 6 mois après ce coup d'État et donc l'avènement de cette transition, nous sommes forcés de constater qu'il y a quand même des points qui viennent obscurcir ou qui commencent à obscurcir cette transition. Quand on regarde d'abord le premier point,
qui consiste, qui, je veux dire, est le fait que le parti politique, donc le Parti démocratique gabonais, bien qu'il n'ait plus ou qu'il ne soit plus à faire, mais le gros des personnalités qui composent les institutions de la transition, notamment le Parlement et les deux chambres, le Sénat et l'Assemblée nationale, sont constitués à plus de 70% de PDGistes. Ça, c'est la première note, je vais dire, le premier point noir qui, effectivement, vient obscurcir cette transition. L'autre côté, c'est que par rapport aux aspirations donc, de la population gabonaise, notamment le pan social, on sent que la transition est en train de se débattre pour essayer d'apporter des solutions, je veux dire quoi, des solutions rapides aux préoccupations sociales des Gabonais. Parce que le pays a été laissé dans une situation très exsangue sur le plan économique et financier. Donc, la transition se débat pour trouver des moyens pour essayer d'apporter des solutions rapidement aux besoins des Gabonais qui sont restés longtemps sous les bongos et qui ont été scandaleusement appauvris. Donc, ça, c'est le deuxième point. Et le troisième point, c'est par rapport à ce dialogue qui va être organisé, comme je disais tantôt, et qui va définir le Gabon du demain. D'accord? Donc, cette espèce de troisième république, si on peut l'appeler comme ça. Donc, on voit que les contours de l'organisation de ce dialogue restent flous. Parce que même au niveau de la classe politique gabonaise nationale, il y a une divergence entre les différents acteurs, notamment sur les contours même de ce dialogue, mais également, il y a une divergence sur le débat de fond, c'est-à-dire les questions qui vont être traitées au cours de ce dialogue national. Donc, on a comme l'impression qu'il y a en fait une espèce de casting où on demande aux différents acteurs, aux différentes forces vives, effectivement, de faire des propositions avant même le début du dialogue. Et en fonction de ce qui va être donné, ils vont avoir plus ou moins une certaine idée de ce que les Gabonais veulent. Et on va dire quoi, d'ajuster ça pour faire en sorte que ce qui va se faire au cours de ce dialogue et qui va aboutir au Gabon d'après la transition, soit un Gabon qui ne soit pas véritablement en déphasage avec le Gabon sur lequel la France, effectivement, a des intérêts énormes à préserver. Donc, voilà les points qui viennent obscurcir cette transition et qui, à un moment donné, commencent à faire douter certains Gabonais. Donc, personnellement parlant, moi-même, je suis effectivement de plus en plus gagné par, on va dire par le scepticisme. Mais bon, il n'est pas trop tard. On espère simplement que le président de la transition, Brice Clotaire-Oligui-Nguema, va prendre en compte les différentes récriminations qui sont faites et pouvoir rectifier la barre pour que les Gabonais puissent se reconnaître à travers cette transition. Donc voilà moi ce que je peux dire pour répondre à ta question. Mais de façon plus générale, Ibrahim Bouka, quel bilan dressez-vous? Je sais qu'il est un peu trop tôt de parler de bilan aujourd'hui. Nous n'avons même pas encore, ou du moins les autorités en place n'ont pas encore une année à la tête de cette transition. Mais dans 4 mois, elles auront 12 mois déjà à la tête du Gabon. Alors, est-ce que vous pouvez déjà vous projeter sur une sorte de bilan pour les autorités de transition? Oui, bien sûr que on peut toujours essayer de se projeter, mais au regard de ce que nous voyons actuellement, si on se projette, pardon, dans un espace de temps de 1 an, si cette trajectoire-là qui est prise, celle que nous voyons actuellement, elle continue, je pense que cette transition risque d'avoir de gros nuages devant elle, de gros nuages noirs devant elle. Donc, moi, franchement, au regard de ce que je vois, je suis tenté d'être plongé dans le pessimisme parce que, voilà, le PDG qui est comptable de la situation du pays actuel est toujours aux affaires, même si c'est vrai que, voilà, officiellement, c'est le CTRI, donc le comité de transition pour la restauration des institutions, qui est au pouvoir, mais ce sont les PDGistes qui dominent l'appareil étatique. L'administration gabonaise est dominée par les PDGistes. Donc, du coup, est-ce qu'on pourra changer le paradigme je veux dire, au Gabon, dans un tel scénario? Il sera très difficile, en fait, parce que ce sont les mêmes gens qui continuent à diriger le pays
le président donc, de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, est juste, comme j'ai envie de dire, une série sur le bateau. Voilà. Possible, André Christel Fanga, dans ce contexte. Ce n'est pas possible. C'est vrai qu'il y a ces assises à venir du côté du Gabon qui permettront, entre autres, à tous les Gabonais de pouvoir se réunir, se parler les yeux dans les yeux et pouvoir notamment définir les principales lignes directrices, entre autres, de cette transition. Mais est-ce qu'un changement de paradigme est-il possible, clairement, aujourd'hui au Gabon? Ce n'est pas possible, monsieur Nguéné. Et je pense qu'il ne faut pas. C'est-à-dire, vous partagez le scepticisme d'Ibrahim Iboka. Écoutez. Oligui Nguema, c'est qui? Oligui Nguema, c'est l'ancien garde-corps de aile de camp de Bongo, père. C'est quelqu'un qui est habitué au palais. Il a eu quelques moments de disgrâce sur Ali Bongo, mais il est revenu comme directeur de la sécurité présidentielle, je crois. Donc, il connaît le palais. C'est quelqu'un qui est comptable de la gouvernance Bongo. Donc, s'il faut parler de la gouvernance, de la malgouvernance au Gabon, l'un des premiers comptables, c'est M. Oligui Nguema Clotaire. Donc, ce n'est pas un étranger à la gestion des affaires, n'est-ce pas, du Gabon actuel, donc depuis longtemps. Certains vont aussi voir ça comme un argument de poids aujourd'hui à mettre à son actif, puisqu'il maîtrise les rois, justement, du gouvernement, du côté du ça Gabon. Ça devait être un avantage s'il avait l'âme révolutionnaire. Parce que s'il avait l'âme révolutionnaire, la première des choses, ça devait être des réformes. Ces réformes-là devaient amener à la prise des décisions que nous, les Africains panafricanistes, nous attendons. C'est-à-dire, par exemple, il y a une base militaire française installée au Gabon. Monsieur, dégagez. Par exemple, annuler, n'est-ce pas, ce que le FMI avait imposé pour attribuer l'argent au Gabon, n'est-ce pas, pour avoir les prêts au niveau du FMI et de la Banque mondiale, il faut d'abord légaliser l'homosexualité. C'est des décisions révolutionnaires. Donc, venir casser tout ces choses-là qui ont été, n'est-ce pas, imposées au pays par des gestionnaires véreux. Je pense qu'aujourd'hui, l'arrivée de l'envoyé spécial, l'envoyé personnel. L'envoyé personnel. Personnel. C'est-à-dire, c'est Macron lui-même qui est là, n'est-ce pas? Qui est venu voir sa notable ou bien sa petite chefferie, n'est-ce pas, installée au Gabon. Comment vous préparez les assises? Ça va se passer comment? En fait, venu lui donner la feuille de route. Que voici comment vous devez préparer ces assises-là. Mais pour simplement masquer cela, on parle de la coopération militaire. Alors, citez-moi un seul exemple. Est-ce qu'un seul lacet d'un soldat français au Gabon a bougé? Un seul lacet d'un français, soldat français au Gabon a bougé? Non. Pas encore, mais il faut d'abord déterminer les contours éventuellement de cette réduction d'effectifs avant de procéder à la diminution des effectifs vous, en question. C'est vous qui croyez à ça. C'est vous qui croyez à la diminution des effectifs. Bon, je crois que le deuxième sujet, nous aurons le temps de parler de ça parce qu'en réalité, on veut prendre des soldats pour envoyer en Ukraine. Et les soldats là vont venir d'où? C'est les soldats, c'est les ramassis de soldats qu'on a portés un peu de partout. Mali, Niger et tout, c'est eux-là qu'on va envoyer en Ukraine. Donc, je crois qu'il faut davantage, n'est-ce pas? Et pour faire diversion, vous faire croire que non, on est en train de diminuer les effectifs, on est en train de réduire les effectifs, on est en train de prendre des dispositions pour alléger. Mais je pense qu'aujourd'hui, si nous sommes dans une logique révolutionnaire, on ne mettrait pas Oligui Nguema sur ce cadre-là, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas un révolutionnaire. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu dans l'ambition d'aider le Gabon à sortir de la léthargie depuis de 50 ans de gouvernance des Bongos. Parce que lui-même, en étant comptable, je pense qu'il est venu pour régler certains comptes, n'est-ce pas? Et il est en train de régler ces comptes-là, normalement, comme il faut. Et le moment venu, n'est-ce pas? Vous savez, je pense qu'il faut qu'on soit un peu plus lucide dans nos analyses. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a plus question d'émotion. L'émotion, c'est terminé là. Ou c'est ça ou ce n'est pas ça. Parce que si les Français se sentent encore très bien au Gabon avec un gouvernement de transition, ça veut dire que cette transition est la leur. Je dis bien, si le gouvernement français
les autorités françaises se sentent encore bien, n'est-ce pas, avec un gouvernement de transition, ça veut dire que ce gouvernement de transition, ces autorités de transition, c'est leur transition. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement que nous ayons des révolutionnaires. Oui, parfait, vous avez raison, il y a des battants. Il y a eu des gens qui ont bataillé au Gabon, oui, qui continuent à batailler, n'est-ce pas, pour la liberté, pour la vraie liberté du Gabon. Du peuple gabonais. Du peuple gabonais. Mmh. Mais ce n'est pas avec les Oligui Nguema, ne font pas partie de ces gens-là. Ou bien ceux qui sont en train de se battre, la plupart même, n'ont plus droit de citer, n'est-ce pas, au Gabon aujourd'hui. Quand vous regardez tout ce qu'on a pu éliminer, que ce soit physiquement, vous comprenez un peu, que ce soit ce qu'on a envoyé en prison, que ce soit ceux qui sont en exil, que ce soit maintenant, il ne restait même plus véritablement de clans révolutionnaires actuellement au Gabon. Donc, je pense qu'aujourd'hui, il faut véritablement, l'euphorie des premiers jours est déjà terminée. Vous voyez que la réalité nous rattrape aujourd'hui. La vérité, elle est là. L'ambassadeur français se sent bien au Gabon. Alors que quand il y a révolution quelque part, vous savez que le premier, n'est-ce pas, défi à relever, c'est d'abord cette séparation, cette rupture des relations avec cet état corrosif et abrasif que nous connaissons tous, qui est la France. Vous avez votre position sur le sujet gabonais, patient parfum d'homme, sur cette transition gabonaise. Nous connaissons votre position. Mais nous avons en face certains qui ne sont pas patients comme vous. Vous demandez de laisser un peu plus de temps à cette transition parce que à un moment donné, peut-être les réalités ne sont pas les mêmes. Certains ne connaissent pas l'histoire du Gabon. Mais est-ce que vous avez l'impression que le peuple gabonais, lui, serait patient aujourd'hui, avoir enfin le général Brice Oligui Nguema adopter cette posture de révolutionnaire comme l'exigent certains panafricanistes? C'est bon, écoutez, votre question, quand j'écoute Christelle Fanga, j'ai un peu envie de rire. On ne s'improvise pas révolutionnaire. C'est un construit. Vous pensez que les dirigeants de l'AES ont eu, c'est-à-dire avaient déjà se construit avant d'arriver au pouvoir, patient parfum d'homme? Mais regardez l'AES. Au Burkina Faso, il y avait quand même un certain Thomas Sankara. Est-ce que vous savez que Ibrahim Traoré a fait partie des jeunesses sankaristes à un moment donné? Regardez le Mali. Tout ce que le Mali a eu comme problème, ils ont traversé par toutes ces étapes-là. Regardez le Niger. Vous croyez que quand un président nigérien décide d'augmenter les prix de l'uranium et que la France fait venir ses sbires, des sanciers et l'assassine, ça ne laisse pas de tâches? Regardez le Sahel avec ses problèmes. Le désert, la désertification qui avance. C'est un contexte différent de celui du Gabon. Totalement différent. Ce que vous dites, patient parfum d'homme. Totalement différent. Totalement différent. Alors, ne faites pas porter à Oligui Nguema une charge qui n'est pas la sienne. C'est vrai qu'il a une responsabilité en tant que responsable de la transition. Mais Bouka vient de nous le dire. Je vous l'ai dit la fois dernière. Il y aura un dialogue national. Si les participants à ce dialogue national sont dans l'incapacité d'opérer cette mutation qui va faire du Gabon enfin un espace de souveraineté pour les Gabonais, c'est de leur responsabilité. C'est à cette élite-là qui aura la chance de participer à ce grand dialogue-là, de refonder le Gabon, qui n'est plus le même visage que ce que nous voyons aujourd'hui. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'aller plus vite que la musique. Le Gabon a trop souffert aussi. Il faut quoi, Oligui Nguema, pour... Ce n'est pas le problème d'Oligui Nguema. Est-ce que c'est le temps? C'est le temps qu'il faut aux autorités gabonaises? Ce n'est pas le problème d'Oligui Nguema. C'est le problème... J'écoute mon ami Fanga, qui trouve toutes les vertus, par exemple, au dirigeant tchadien actuel, Kaka Déby. Mais est-ce que Kaka Déby a déjà demandé le départ de la base militaire française? Est-ce qu'il a déjà demandé? Attendez. Mais pourquoi vous le prêtez toutes les bonnes intentions? Et vous dites, Oligui, tant qu'il parce qu'il a déjà eu peut-être, éventuellement, patient parfum d'homme, des actes posés, la récente rencontre avec la précédente rencontre avec le président russe Vladimir Poutine. Chacun a son rythme. Vous n'allez pas demander tout le monde d'avoir le même rythme que vous, c'est pas possible. Comment vous voulez pas le comprendre?
Chacun a ses problèmes, chacun a son rythme. Le Gabon n'a pas les mêmes problèmes que le Tchad. Rien ne presse au Gabon. Le Gabon n'a pas les mêmes problèmes que le Tchad. Le Tchad est trop de problèmes. Sans département trop de problèmes au Tchad. Vous avez au nord la Libye, incertitude. Le Soudan, incertitude. Le Niger, de l'autre côté, où il y a une pression du peuple. Ça veut dire qu'au Tchad, on peut aller plus vite, mais ce n'est pas le cas du côté du Gabon. Au Tchad, on est sûr de rien. Vous avez un chef d'État qui a été en fait bichonné, adoubé par Paris. C'est Macron lui-même qui est venu l'installer. Un chef d'État qui hésite sur le chemin à prendre pour son avenir. Doit-il vraiment embrasser la Russie? Parce qu'au même moment, il embrasse la Russie. Au même moment, il a un premier ministre à qui il envoie quand même à Paris, à Washington. Qui est chercher. L'ami. Non, attendez, c'est quand même son premier ministre. Il aurait pu dire non. Son ami. Il aurait pu dire non. Il n'a pas de nommé On va laisser Fassia Parfait d'aller au bout de sa pensée. Il envoie à Paris, à Washington pour aller chercher l'argent pour organiser ses propres élections. Vous voyez donc que nous sommes dans une situation très complexe. Je dis, tout revient au peuple gabonais. Et à ces gens-là qui vont assister à ce dialogue national, ces Gabonais. Pour vous, tout pourrait se jouer sur ce dialogue national qui s'ouvre dans quelques jours seulement. Au Gabon, on a libéré tous les prisonniers politiques. On a demandé aux exilés de revenir chez eux. Il y a beaucoup qui sont revenus. C'est aux Gabonais d'organiser des institutions, j'allais dire des organisations, capables de répondre à leurs aspirations s'ils ne sont pas d'accord avec ce qu'ils voient. Mais vous n'allez pas demander. D'abord, c'est Fanga qui le dit. Il dit qu'il est comptable de la mauvaise gestion de Bongo. Maintenant, quand on est aide-camp de quelqu'un, on est capable de sa mauvaise gestion. Ça aussi, je comprends ça de la part de Fanga. Mais, monsieur, Alain Selassie était le neveu. Mengistu Ali Mariam était le neveu d'Alain Selassie. Il a renversé et il a totalement changé la face de l'Éthiopie. On l'appelait le Mengistu rouge. Il ne faut pas, n'est-ce pas, comment dire ça, prêter des intentions aux gens tant que vous ne les avez pas vus à l'œuvre. Et rien ne nous indique qu'après ce dialogue national, c'est une véritable constituante qui a enfin dote de Gabon d'une véritable constitution qui correspond aux vœux de Gabonais. Que vous êtes sûr que Olingi Guéma, s'il ne satisfait pas aux aspirations de Gabonais, aux aspirations des Gabonais, il va rester au pouvoir. Ce qui est important, et c'est pour ça que moi je lui tire le chapeau, c'est qu'enfin il a le courage de dire aux Gabonais, asseyons-nous. J'ai écouté Ibrahim Bouka. Il dit que au niveau de on recueille les avis et qu'il a l'impression qu'il y a une espèce de segmentation et de choix. Que le processus n'est pas peut-être assez inclusif. Mais c'est à eux, les Gabonais, de mettre la pression pour dire ce qui se passe là, on n'est pas d'accord. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui viendra le faire à leur place. C'est parce que les Nigériens se sont levés qu'on a le Niger qu'on a. C'est parce que les Burkinabés se sont levés qu'on a le Burkina qu'on a. C'est parce que les Maliens se sont levés qu'on a le Mali qu'on a. Vous n'allez pas demander aux gens, n'est-ce pas, je ne sais pas d'où sortir, parce qu'ils font deux, trois trucs sur les plateaux, de venir régler votre problème à votre place. C'est vous qui estimez que les choix qu'on vous propose ne vous conviennent pas. Et vous devez donc vous organiser pour dire on n'est pas d'accord, on vit autre chose. Mais ce que je vois actuellement au Gabon, ce n'est pas ça. Je vois plutôt que les gens estiment que, par rapport à ce qu'ils avaient avant, il y a des choses, peut-être on ne va pas à la vitesse de l'éclair, mais ils sont plus ou moins contents de ce qui se passe. Quand vous voyez les gens qui habitaient quand même dans les décharges publiques, à qui on donne des maisons, ça veut dire ce que ça veut dire. On ne peut pas vous imaginer ce que c'est. Quand vous avez quand même que... ça veut dire que les priorités peut-être du peuple gabonais étaient ailleurs. Pour vous, patients parfaits d'hommes. Oui, pour l'instant, ils estiment qu'ils sont dans un pays riche et que ce n'est pas normal qu'il y ait eu des restos de cœur en plein cœur de Libreville, qu'il faut mettre fin à tout cela, que la voirie urbaine doit être retoquée, qu'on doit faire un certain nombre de projets sociaux pour les Gabonais, qu'on doit revoir les hôpitaux, l'école qui est devenue gratuite, un certain nombre de choses qui, pour eux, sont des indicateurs ou bien des indices de quelque chose qui prouve qu'il y a quand même le curseur qui bouge. Maintenant, d'accélérer le mouvement. Ne demandons pas aux gens d'être des messies. Il n'y a pas de messie. Ibrahim Traoré n'est pas un messie.
C'est parce que le peuple burkinabé a voulu aller dans ce sens-là. Assimi Goïta n'est pas un messie. C'est parce que le peuple malien a voulu aller dans ce sens. Si les peuples ne s'organisent pas et ne se soulèvent pas, écoutez, vous n'allez pas demander aux gens, peut-être comme je veux même aller dans le sens de Fanga, qui sont les affidés de l'ordre colonial, de changer de jour au lendemain. Il faut un peu le bousculer. C'est la mobilisation du peuple qui va orienter les nouvelles décisions de ces dirigeants de demain. Mais si le peuple est amorphe, il ne dit rien. Ou à moins que pour le peuple, eux sont satisfaits. Et dans ce cas-là, ne leur faisons pas un procès d'intention inutile. Donc moi, j'estime que le Gabon ira à son rythme. Mais le Gabon ne pourra pas être complètement déconnecté des dynamiques africaines qui sont en train de se battre aujourd'hui pour mettre fin, un, à la France-Afrique, pour redonner la souveraineté aux États africains et pour accrocher l'Afrique, n'est-ce pas, à une dimension économique qui convienne aujourd'hui au statut que nous souhaitons avoir pour l'Afrique, c'est-à-dire le statut d'un continent émergent au niveau de toutes ces entités. Le Gabon ne pourra pas faire l'économie de ces revendications authentiquement africaine, mais aussi de l'exigence que le monde voudrait aujourd'hui que les gens qui sont riches, excusez-moi le terme, puissent profiter de la richesse. Le Gabonais ne peut plus continuer à accepter d'être comme un Gabon, comme un gamin dont les poches sont remplies de diamants et qui reste affamé. C'est terminé ça. Donc nous, Oligui Nguema ou pas Oligui Nguema, le Gabon de demain va s'inscrire dans une dynamique qui va permettre quand même aux Gabonais de se dire « Ok, nous aussi, on peut respirer, on peut vivre mieux. » Mais surtout, moi j'ai écouté Oligui Nguema, alors je rassure M. Fanga, il a dit à ses officiers « Mais écoutez, ce n'est pas une affaire de monogamie. On n'est pas assez peuplé, faites des enfants. Prenez plusieurs femmes. » Donc voilà quelqu'un qui encourage la polygamie. Alors que c'est un chrétien, attention. Donc c'est vous dire qu'il y a beaucoup de non-dits, il y a les réalités local du pays qui oblige souvent certains hégémons à aller dans une certaine direction. Donc, à mon ami Bouka, n'est-ce pas, à Ibrahim Yves, c'est à vous de vous organiser pour imposer, n'est-ce pas, une nouvelle réalité, n'est-ce pas, au Gabon. Mais voilà. Si vous pensez que Oligui Nguema est le nouveau Jésus-Christ qui va venir tout régler, j'ai dit que moi, je n'ai pas beaucoup vu de Jésus-Christ comme ça, même le président Poutine, parce que le peuple, comment on appelle ça, russe, est tout à fait d'accord, non seulement avec sa politique, mais elle est déterminée, parce que l'homme russe n'accepte pas la vassalisation ni l'esclavage. Et ils vont se battre pour résister et ne pas accepter qu'ils soient dominés par un peu quelqu'un pauvretier. C'est ce qu'il faut dire aux Africains. Il faut que les Africains arrêtent de penser que leur sauveur viendra d'ailleurs. C'est à nous de nous organiser pour que, justement, ce que nous souhaitons être bien pour nous, que nous puissions l'avoir, au lieu de continuer à penser qu'il faut absolument que si Paul Biya au pouvoir, qu'il fasse la magie pour que le Cameroun marche bien. Qu'attendent les Camerounais pour s'organiser, pour imposer, n'est-ce pas, cet agenda nouveau à nos dirigeants s'ils ne vont pas dans le sens. Voilà les problématiques essentielles pour notre continent. Et le Gabon ne peut pas en faire exception. Merci à vos patients. Parfait. Donc, puisque nous parlons de peuple, allons-y. Questionnons justement le rôle de ce peuple-là. Alors, Ibrahim Yves Bouka, quelle est la place que le peuple gabonais occupe aujourd'hui dans cette transition, celle qui est dirigée par les autorités actuelles? Bon, ça c'est une question effectivement qui fait partie du débat de fond et qui aujourd'hui divise un peu la classe politique par rapport à cette transition. Aujourd'hui, Patient Parfendo parlait de constituante. Donc, une constituante, pour qu'elle soit véritablement celle-là, il faut que les personnes qui vont participer effectivement aux échanges aient une certaine légitimité populaire. Or, sur le terrain, en fait, on se rend compte que ce n'est pas la direction dans laquelle semble aller donc le président de la transition, Brice Oligui Nguema. En ce sens que, lui, il procède plutôt à des nominations des personnes qui vont participer à ce dialogue national. Donc, sur cette base-là, la question de la légitimité, donc de ceux qui vont aller représenter, qui sont censés représenter le peuple gabonais, ne sont pas véritablement, en fait, ce n'est pas une réalité. Donc, du coup, ça fausse déjà, en fait, les bases même de ce dialogue-là. Parce que le peuple gabonais, en fait, ne se reconnaît pas à travers les personnes qui sont choisies pour aller parler des problèmes des Gabonais à cette rencontre nationale. Vous voyez ? Donc, ça, si vous regardez l'actualité politique gabonaise actuellement, cette question, c'est une question qui revient de manière redondante dans les échanges, dans le débat
public dans le débat démocratique gabonais actuellement. Voilà. Voilà ce que je peux dire pour répondre à votre question. André Christel Fangat, ce sujet, jusque-là, nous n'aurons plus que 10 minutes pour évoquer la deuxième thématique. Le peuple est où? La place du peuple gabonais. Puisque... Je vous réponds, non? Allez-y. Le peuple gabonais est absent. Parce que le peuple gabonais, aujourd'hui, a subi, n'est-ce pas, un lavage, a subi une oppression terrible jusqu'à la démissionner même de ses propres missions. C'est pour ça que l'arrivée juste, comme ça, de Oligui Clotin Nguema, a suscité une lueur d'espoir. A suscité une lueur d'espoir, pensant que non, c'est un révolutionnaire qui est arrivé au pouvoir. Mais on oublie une chose. Parce que, il faut le dire clairement, c'était devenu une honte pour l'État gabonais d'avoir un chef d'État légume. Je dis bien un chef d'État légume. C'était une honte pour la France-Afrique d'avoir un chef d'État légume. C'était une honte pour Macron et ses affidés d'avoir un chef d'État légume au Gabon. Et comme il n'avait pas mieux, il fallait trouver quelque chose rapidement pour changer la donne. Vous voulez dire une alternative, éventuellement? Bien sûr. Parce que si les vrais résultats des urnes sortaient, monsieur Ali Bongo n'aurait jamais gagné, n'était pas vainqueur de cette élection. Donc la volonté du peuple gabonais a été volée par Oligui Nguema. Je dis bien avec ses complices français. La volonté du peuple gabonais a été volée par M. Oligui Nguema. Parce que la volonté du peuple, c'est que s'il fallait aller, ok, faisons le recomptage des voix de cette élection. Ou bien regardons qui a réellement gagné cette élection. Aussi simple que ça. Ça, c'est le même scénario en Côte d'Ivoire entre Laurent Koudou-Gbagbo et M. Alassane Dramane Ouattara, qui a fait le coup d'État avec ses amis français et se sont accaparés du pouvoir. Alors que simplement, on demandait aux gens, faisons simplement un recomptage des voix et on voit qui a réellement gagné. Mais on a préféré larguer les bombes. Donc, vous comprenez que le peuple, aujourd'hui, sa révolution a été volée parce qu'ils avaient déjà fait une révolution dans les urnes, mais ça a été volé. Et aujourd'hui, ce peuple-là est amorphe, pensant que les militaires venaient leur aider, alors qu'en réalité, c'est Saint-Pierre qui a été... Mais ça, c'est pour autant qu'il faudrait perdre espoir aujourd'hui. Écoutez, les nouvelles dynamiques... Il y a des dynamiques qui sont là. On a espoir que le Gabon puisse également se greffer à ces dynamiques-là. Oui. Éventuellement, est-ce que c'est une façon pour vous de dire qu'il faudrait peut-être perdre espoir? Ou alors, non, il y a... je dis bien, vous avez dit que bon, il faut qu'on soit patient comme parfait. Patient. Non, je pense que pour qu'on arrive au qui est espoir, il faut d'abord qu'il y ait bousculade. Parce Et qui doit bousculer dans le cas précis? C'est le peuple. Et Parfait avait Ça veut dire raison. Que vous rejoignez... Non, écoutez très bien. Parfait avait raison quand il disait que les Assimi Goïta sont les produits du peuple. Le Burkina Faso, le Niger, c'est le résultat du peuple. Alors, maintenant, il faut enlever dans la tête du peuple gabonais que c'est un révolutionnaire qui est arrivé en pouvoir. Ils vous ont jamais dit que c'était un révolutionnaire. Non, je dis, il faut enlever de la tête du peuple gabonais qu'un sauveur est arrivé. Celui qui va mettre fin à la gabégie, qui va mettre fin à la France-Afrique, qui va mettre fin, n'est-ce pas, aux bases militaires françaises, aux accords de coopération, n'est-ce pas, avec la France. Donc, je pense qu'il faut maintenant booster ce peuple. Il faut doper ce peuple-là. Et je suis très d'accord avec Parfait qui dit maintenant, les constituants qui sont déjà galvaudés dès le départ, maintenant, c'est au peuple de se mobiliser et d'aller maintenant réclamer, de dire que, monsieur, ce n'est pas ce que nous voulons, voici ce que nous attendons de vous. Et si ce n'est pas respecté, alors on fait la rectification. Parce qu'il y a eu les rectifications au Burkina Faso, il y a eu les rectifications au Mali. Voilà. En gros,
Le peuple doit jouer son rôle. Sa partition, son rôle. Merci à vous, messieurs. Nous allons avancer rapidement avec notamment ces révélations du service des renseignements extérieurs russes pour qui, clairement, donc, la France préparerait, ou du moins envisage d'envoyer, quand on dit la France, on met en avant le président français qui voudrait donc visiblement envoyer un contingent militaire du côté de l'Ukraine, un contingent militaire jusqu'ici constitué d'un peu plus de 2000 hommes. Mais la question qu'on se pose, patient parfum d'homme, est celle de savoir, est-ce que le président français peut-il réellement envoyer des troupes au sol du côté de l'Ukraine sans toutefois passer formellement par l'approbation de l'Union européenne ou encore des États-Unis? Si oui, pour quel objectif aujourd'hui? On va aller rapidement, messieurs, sur le sujet. Patient parfum d'homme. Mais très rapidement, je crois que le wokisme est en train de perdre. Le wokisme est en train de perdre sur le plan international. Et Emmanuel Macron est l'un des pupilles de ce wokisme-là, des dignes représentants de ce wokisme-là. Alors, comme ils sont en train de perdre, ils sont prêts à tout. Quitte à créer une guerre mondiale. Et Macron peut valablement... Moi, je prends ces déclarations très au sérieux. Pour vous, elles sont... Parce qu'il y en a eu... d'autres également sont venus contredire un tout petit peu les révélations du service russe des renseignements extérieurs, comme quoi, non, c'était une campagne de désinformation de la part de Moscou. C'est faux. Macron peut valablement pousser à la faute, c'est-à-dire qu'obliger l'OTAN, obliger les États-Unis à aller dans cette guerre-là. Parce que lui, c'est un plus produit... n'est-ce pas, de ce wokisme-là. Donc, ils ne comprennent pas comment ils vont perdre. Parce que perdre, c'est quoi? C'est-à-dire que le nouveau monde qu'ils ont voulu imposer, n'est-ce pas, à tout le monde-là, tout ça va être balayé. C'est-à-dire que les histoires de LGBT+, les nouveaux droits de l'homme, tout ce que vous voulez, la nouvelle vision civilisationnelle du monde, tout ça, avec cette défaite ukrainienne et le fait que le sud global ne les suit pas, ça ne fait pas du tout plaisir. Or, dans le wokisme, il y a quand même la question de la domination de la population mondiale. Ils estiment que 7 milliards, 8 milliards, c'est assez, c'est beaucoup. Il faut la ramener autour de 1 milliard. Pour la ramener autour de 1 milliard, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire une guerre mondiale. Peut-être une guerre nucléaire qui va ramener, n'est-ce pas, la population mondiale à sa portion la plus congrue. Comme ils sont en train de tout perdre, ils sont comme des chiens enragés qui n'ont plus du tout aucune retenue. Donc pour moi, Macron est devenu un danger non seulement pour la France, mais bien pour le monde. C'est aux Français de régler ce problème. S'ils ne le règlent pas, et qu'ils laissent ce monsieur-là, dont l'avenir, je vous l'ai dit ici, Macron, son avenir, c'est lui-même. Il n'a pas d'enfant. Son ministre, le Premier ministre Attal n'a pas d'enfant. Donc il n'a pas d'avenir. Il ne sait pas ce que c'est construit l'avenir. Il ne dort pas avec des tentatives d'AVC quotidien parce que les enfants, ils ne voient pas comment ils évoluent et dans quel monde ils vont évoluer. Ces journées, le copain de l'autre... Vous parlez du ministre français des Affaires étrangères. Lui, le nouveau. Il n'a pas d'enfant. Ils sont des représentants du wokisme. Donc pour eux, ce qui est en train de se passer en Ukraine est tellement grave parce qu'il remet en cause complètement tout le projet qu'ils avaient mis en place pour l'imposer au reste du monde. Et pour cela, ils commencent à se comporter comme un éléphant dans une pièce de porcelaine. Et c'est aux Français de retenir, n'est-ce pas, ce type qui est devenu presque fou. Ce n'est pas moi qui le dis, beaucoup de politiques françaises le disent aujourd'hui. Parce que là où il est en train d'aller là, ça va être très grave. Donc, de toute façon, quand il y aura la guerre, aucun de ces enfants n'ira faire la guerre. Ce n'est pas Brigitte qui aura fait la guerre. Et donc vous comprenez très bien que c'est les enfants des autres qui auront fait la guerre. Mais tout ce qu'on peut dire à l'Occident en général, et à M. Macron en particulier, ne comptez plus l'Afrique. L'Afrique n'enverra autant pour moi aucun enfant pour se faire tuer pour une cause qui, est, au contraire, est complètement à l'opposé de ses propres principes, de sa propre culture, de sa propre civilisation, mais surtout de sa propre vision du monde. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce qui va se passer. Vous avez l'arme atomique. Vous voulez l'utiliser? Allons-y et on verra ce qui va se passer. Merci à vous. Alors, sous quel prisme prenez-vous justement les révélations du service des renseignements extérieurs russes aujourd'hui? Ces révélations selon lesquelles le président français, Emmanuel Macron, serait donc prêt à envoyer des soldats, 2000 hommes. Pour un premier temps, du côté de l'Ukraine, c'est une volonté qui avait été émise par le concerné personnellement. Il y a quelques semaines, il parlait d'un accord qui n'avait pas encore été trouvé avec l'OTAN et pas mal de partenaires sur le plan international. Mais c'est une hypothèse que le président français n'avait aucunement exclue, envoyer des troupes au sol.
Mais je crois que Macron, dans ses troubles, ses crises, n'est-ce pas, est dans une logique où il faut faire absolument la guerre à la Russie. Et je vous ai dit, et d'ailleurs il y a des centaines et des centaines d'années, Nostradamus nous avait avertis. Oui. Nostradamus est un célèbre, comment on dit ça, je ne vais pas appeler ça prophète, qui avait déjà dit que la France aura un jeune président, illuminatiste bien sûr, antichrist, et ce jeune président sera prêt à tout. La France aura toutes les difficultés du monde. La cathédrale Sainte Notre-Dame va brûler. La France, il y aura des Français dans la rue. Il y aura plein de dégâts, n'est-ce pas, en France. Et tous ces événements se sont produits jusqu'ici. C'est en train de se produire devant nous. Tous ces événements sont en train de se produire devant nous. Donc, la prochaine étape de... Vous savez que Macron n'est pas un être humain, c'est un jupitérien. Et lui-même le dit. Et il a dit dans une vidéo... Cette génération doit s'attendre que la bête de l'événement arrive. Pour ceux qui sont les lecteurs de la Bible, ils connaissent ce que veut dire la bête de l'événement. Donc, il sait de quoi il parle quand il dit qu'il va envoyer les troupes. Et qu'en dehors seulement des troupes, il faut penser à envoyer même des missiles longue portée qui vont toucher certaines villes russes. Donc, il est dans un construit très bien pensé et très bien précis. C'est-à-dire, il est en train de préparer la troisième guerre mondiale. C'est-à-dire, il faut la guerre nucléaire. Il faut réduire, parce qu'ils ont, eux, ils ont les moyens de se sécuriser. Et ils n'ont pas les problèmes, c'est parfait qu'il le disait tout à l'heure, ils n'ont pas de problème de pression que l'enfant a fait, que l'enfant a chauffé, madame a tel problème, ou bien machin, ils se bombardent entre eux. Séjourner, bombarder Atal bombarder, séjourner. Donc, ils se bombardent comme ça entre eux. Pour eux, ça ne leur dit rien. Pour eux, ils n'ont pas de souci de que je dois aller me coiffer, vraiment, mon lait de toilette est fini. Ils n'ont pas ce genre de problème. Vous comprenez un peu? Ils n'ont pas de genre de problème qu'il faut aller à la pharmacie, les enfants sont souffrants. Non, ils n'ont pas ce genre de problème. En fait, quand vous regardez tous les, presque les dirigeants de l'Europe actuelle, tous sont dans le même cas. C'est-à-dire, c'est des couples homosexuels, que ce soit homme ou femme, qui sont des dirigeants, c'est des célibataires sans enfants, c'est des gens qui n'ont pas d'avenir. En fait, ils ont détruit le noyau, n'est-ce pas, qui constitue la société qui est la famille. Et c'est ça qu'ils veulent provoquer la troisième guerre mondiale avec, pour que tout soit déstructuré, pour qu'ils puissent maintenant dire, ok, bienvenue à notre nouveau monde, que eux ils veulent construire, c'est-à-dire le monde des libertés. Non, ce n'est même pas des libertés. Du libertinage. Le libertinage même est faible comme mot. Vous comprenez un peu, pour construire ce monde démoniaque qu'ils veulent construire, où les hommes vont avec les hommes, avec les animaux, avec, en fait, ce melting pot-là. Et maintenant, parce qu'ils auront fait le nettoyage des vrais humains, parce que nous, on ne va pas résister aux bombes atomiques. Quand ça va commencer à tomber de partout, nous, on a quel moyen de nous protéger? On n'en a pas. Ben, donc, vous comprenez pour que, pour simplement sortir, c'est que Macron est déjà dans cette logique. C'est un logiciel programmé. Il va accomplir ce vœu-là. Il va envoyer les militaires. Parce que d'ailleurs, il y a les militaires français. Ouais. De façon clandestine, le porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères l'avait d'ailleurs déjà évoqué. Merci à vous, messieurs. André Kistelfanga, patient parfait d'homme. Yves Ibrahim Bouka, merci pour vos différentes contributions ce soir. Très cher monsieur, le temps nous tient. Nous ne pourrons pas prendre les appelants et on s'excuse bien sûr pour cela. Les conditions techniques également ne sont pas réunies. Vous le savez, la connexion Internet, elle est très très mauvaise dans certains pays africains depuis pas mal de temps. Donc, c'est pour des raisons indépendantes de notre volonté. Merci à vous, nombreux téléspectateurs, auditeurs, pour vous qui nous prenez un relais sur la 96.3 FM. Merci à nos nombreux téléauditeurs. Et oui, vous nous avez suivis en direct aujourd'hui. Merci à vous. Merci à la grande équipe de la réalisation. Portez-vous bien.